Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner un programme d'entraînement où tu n'auras pas besoin de beaucoup de matériel, mais à part une barre de traction, un bâton et deux chaises pour que tu puisses réussir à parvenir à faire tes premières tractions ou si tu arrives déjà à en faire du style 5 ou 10 répétitions, pouvoir améliorer tes performances. Et pour ça, si tu veux bien, posons les bases pour qu'on puisse déjà savoir là où on va. J'ai utilisé deux méthodes super efficaces qui s'appuient sur des données scientifiques pour pouvoir construire ce programme. Toi et moi, on va se donner un challenge. Au bout de un mois, après avoir vu cette vidéo, tu seras capable d'effectuer ta première traction. Ou si tu sais déjà la faire, eh bien, tu vas pouvoir améliorer tes performances de 2 à 5 tractions en plus. T'es chaud? Mais volontairement, si tu veux bien, je ne vais pas te balancer tout de suite ce programme parce que j'aimerais que tu comprennes ma méthodologie, comment est-ce que j'ai pu construire ce programme pour que tu sois convaincu par toi-même que ce que je vais te raconter aujourd'hui soit utile pour qu'au bout de un mois, tu arrives à faire tes premières tractions. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu veux pouvoir faire les tractions, il faut que tu aies de la force. Mais est-ce que tu sais véritablement ce que c'est que la force? Définissons ça ensemble si tu veux bien. Ça correspond tout simplement à la capacité d'un individu, toi par exemple, à vaincre une résistance par la contraction musculaire. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Plus tu arrives à gérer ta contraction musculaire, plus tu vas devenir fort. Le premier facteur, il est physiologique. Plus un muscle il est gros, plus il est hypertrophié, ça veut dire la même chose en fait, et plus il a de chances de générer de force. Alors j'ai bien dit qu'il avait plus de chances, parce que tout dépend également de ton entraînement, s'il est spécifique ou pas. Par exemple, tu as déjà vu des gens qui étaient très musclés et qui, en pratique, ne sont pas si forts que ça. Et à l'inverse, tu as des gens qui sont plutôt minces et qui vont générer plus de force. Donc ça dépend d'un facteur en particulier qui est l'entraînement spécifique. Plus le muscle il est gros, plus tu as de chances de frapper plus fort. Mais si tu n'apprends pas la technique en elle-même, tu peux être baraque et ne pas avoir de force non plus. L'idéal, c'est d'avoir un muscle qui soit gros et en plus que tu aies entraîné ta technique. À ce moment-là, tu seras imbattable. J'ai fait cette parenthèse parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont te dire c'est pas parce que tu es musclé que tu vas devenir fort. Donc voilà, je l'ai précisé comme ça c'est dit. Le deuxième facteur qui va te permettre d'avoir une bonne contraction musculaire pour pouvoir faire de bonnes tractions, eh bien c'est sur le système nerveux. Tu as 3 qualités que tu peux améliorer grâce à l'entraînement en force. La première qualité, c'est le recrutement important des unités motrices. Et si tu ne sais pas ce que c'est que ce mot barbare, parce que moi-même quand j'étais en formation, je comprenais strictement rien, je vais t'expliquer ça de manière très très simple avec des petits schémas, tu verras, c'est super facile à comprendre. Je pense que c'est pas sorcier si je te dis que le biceps est un muscle, d'accord? Et chaque muscle est constitué de plein de fibres musculaires qui composent justement ce muscle en question. Ça, tu vois, c'est un ensemble de pailles. Et bien, l'ensemble de pailles forme le biceps. Chaque fibre musculaire, donc chaque paille, est innervée par un nerf qu'on appelle également un motoneurone. Et l'ensemble, donc ça, tu vois, ça s'appelle une unité motrice. Le nerf plus les fibres musculaires qui l'innervent. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, je t'avais dit que la première qualité de l'entraînement en force, c'était l'amélioration, le recrutement plus important des unités motrices. Donc plus tu vas recruter de fibres musculaires pendant un mouvement, et plus justement ton mouvement va être puissant. C'est comme par exemple pousser une voiture. Si tu es tout seul à la pousser, ça va être difficile. Par contre, si tu es 5 dessus, ça va être vachement plus simple. C'est comme le Genki-Dama de Goku. Plus vous êtes nombreux à lever la main, plus la boule sera puissante et plus ça va générer plus de patates pour pouvoir déchirer Majin Buu. C'est exactement la même chose ici. La deuxième qualité que tu peux améliorer lorsque tu fais un entraînement en force, c'est ce qu'on appelle la synchronisation intramusculaire. C'est un mot complètement barbare, mais en fait qui est super simple à comprendre grâce à ce super objet. Si tu es débutant, tu n'arriveras pas à utiliser toutes tes fibres musculaires en même temps. Peut-être que tu auras un déséquilibre du style comme ça. Tu vois, la paille verte qui sera plus haute, la paille violette qui est un peu plus basse, la paille jaune qui est entre les deux. C'est comme dans une chorale. Faut pas que par exemple Pierre fasse que Henri fasse et que Alex fasse. T'as pas une bonne synchronisation. Et si tu n'as pas une bonne synchronisation, tu n'as pas une bonne force générée. La troisième qualité que tu peux améliorer, c'est la synchronisation, cette fois-ci, intermusculaire. Donc, ça veut dire entre les muscles. On va prendre l'exemple du développé couché parce que ça parle à tout le monde. Il y a des débutants, quand ils font du développé couché, ils ressentent le travail du biceps au lieu de sentir le travail du triceps. Et ça, ça peut s'expliquer de manière physiologique. Sur les tendons des muscles sollicités pour faire le développé couché, par exemple sur les tendons du triceps, eh bien, tu vas avoir des gendarmes, des policiers qui sont là pour surveiller, tu vois, la tension générée. Et si cette tension est trop importante pour ton corps, eh bien, ils sifflent, ils appellent la moelle épinière. La moelle épinière agit en contractant les muscles antagonistes pour freiner
l'action du triceps pour éviter que tu te déchires le triceps, donc c'est une sécurité. Et c'est pour ça que quand tu es débutant, c'est pas ta faute, tu peux ressentir l'action des biceps ou d'autres muscles parasites au lieu de sentir les triceps, les épaules et les pectoraux travaillés lors du développé couché. Si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, pour avoir une bonne contraction musculaire, il faut donc avoir un muscle qui soit gros, donc hypertrophié. Du coup, on va travailler sur une méthode d'hypertrophie musculaire. Et la deuxième méthode, savoir gérer la contraction musculaire de par le système nerveux en développant les trois qualités physiques. Et donc, on va faire un entraînement en force. J'aime bien savoir ce que je développe, donc j'espère que j'ai été assez clair. Dis-moi dans la barre des commentaires si tu as tout pigé et si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer. Suis bien ma planification d'entraînement. La première semaine, tu vas t'entraîner deux fois. En début de semaine, tu fais de la force et en fin de semaine, tu fais aussi de la force. La deuxième semaine, tu vas t'entraîner deux fois aussi, mais tu vas faire deux fois en hypertrophie musculaire. Troisième semaine, tu vas faire force au début, puis hypertrophie en fin de semaine. La quatrième semaine, tu vas faire hypertrophie musculaire en début, puis force en fin de semaine. Au bout de la cinquième semaine, tu vas déjà pouvoir réussir à faire ta première traction si tu as respecté tout mon entraînement aujourd'hui. Pour développer la masse musculaire, on va pas directement se jeter sur les tractions parce que tu as du mal à en faire. Du coup, on va se orienter vers un exercice qui est plus facile qu'on appelle les tractions inversées. Pour ça, tu as juste besoin de deux chaises et un bâton. Assure-toi juste que le bâton soit assez solide. Pour ta sécurité, tu peux aussi placer des coussins sur le sol ou un tapis pour ton confort. Tu te places sous la barre, tu as les fesses surélevées et le but c'est de ramener ta poitrine vers la barre. Et là, tu vas travailler ton grand dorsal et également les rhomboïdes, les muscles entre tes omoplates. Pour le protocole d'hypertrophie musculaire, on va se baser sur le même protocole que sur la vidéo que j'avais faite sur doubler ses pectoraux ou doubler son dos avec les quatre critères à respecter. Le premier critère, faire 100 répétitions au total. Le deuxième critère, avoir un temps de repos court. Le troisième critère, avoir un temps sous tension égal à 40 secondes. Et le quatrième critère, jouer sur les différentes phases de contraction musculaire, isométrique, excentrique et concentrique. J'avais déjà expliqué de manière détaillée l'utilisation de ces quatre critères que tu pourras retrouver ici dans la vidéo doubler son dos et doubler ses pecs. Donc je ne vais pas rentrer volontairement dans les détails aujourd'hui. Là tout de suite c'est parti pour le programme d'hypertrophie musculaire. Je vais t'expliquer ça en détail et puis dans la suite de la vidéo je te ferai la même pour la force parce que n'oublie pas, il faut que tu t'entraînes à la fois en force et en prise de masse musculaire. C'est parti d'abord pour la prise de masse. Pour la première et la deuxième série, je te propose de travailler que en concentrique pur. Ça veut dire que tu vas mettre 4 temps pour amener ta poitrine vers la barre. Ce que tu peux faire aussi, c'est de souffler seulement à la fin du mouvement de tirage. Donc pendant tout le mouvement, tu restes en apnée. Moi, j'aime bien aussi cette option parce que ça me donne plus de patates. Après avoir laissé 1 minute ou maximum 1 minute 30 de récupération si t'en peux vraiment plus, eh bien t'enchaînes avec cette série-là. Tu fais un temps à la montée et tu descends 3 temps pendant la descente. Chaque répétition doit durer 4 secondes, c'est ça la règle, pour que à la fin de la série, donc 10 répétitions, ça fasse 40 secondes. Après le temps de pause, tu enchaînes avec la 5e et la 6e série. Moi, je te propose de faire 3 petits en haut pour bien sentir vraiment la contraction du grand dorsal. Tu verras, ça va piquer de ouf. Et ensuite, tu descends en un temps. Tu enchaînes pareil 10 répétitions. Fais bien attention à chaque fois pour que ça dure 3 secondes lors des 3 petits mouvements et 1 seconde lorsque tu descends. Et en plus, il faut bien penser aussi à rentrer le ventre pour engager le muscle transverse, le muscle responsable du ventre plat, mais qui va aussi protéger toute ta ceinture abdominale. Pour la 7e et la 8e série, tu vas travailler de manière équilibrée, concentrique 2 secondes à la montée, excentrique 2 secondes à la descente. Pour la respiration, c'est exactement la même chose. Tu inspires lorsque tu montes en 2 temps et tu souffles en 2 temps lorsque tu descends pendant la phase excentrique. C'est aussi simple que ça. Et enfin, pour la 9e et la 10e série, je te propose de travailler 3 temps pendant la phase concentrique. Donc, tu ouvres lentement, la cage thoracique pendant 3 temps et bam, tu descends en dynamique en 1 temps. Voilà, tu fais ça 10 fois, pareil, donc 3 temps pendant la montée, 1 temps pendant la descente et t'es bon. Ça, c'était pour le programme de prise de masse musculaire. Maintenant, on va passer au travail de force. Le temps sous tension idéal pour développer la force, c'est 20 secondes ou un petit peu moins. Et en termes de série, on te préconise de faire 5 répétitions. Et comme nous, on veut travailler que pendant la phase excentrique du mouvement, ça veut dire que chaque répétition doit durer 5 secondes. Donc, ta phase excentrique doit durer 5 secondes et tu peux monter comme ça jusqu'à 5 répétitions en total. Et maintenant, je vais t'apporter ma touche personnelle. 5 répétitions, ça me semble peu parce qu'on va travailler que pendant la phase excentrique. Donc moi j'aime bien pour avoir un bon ressenti musculaire monter jusqu'à 6 voire au maximum 8 répétitions par série. Voilà, tu prends une chaise, n'importe laquelle, bon tu m'excuseras, ma chaise elle est pas très design mais on s'en fout un petit peu, tu montes dessus, tu t'accroches sur la barre et là tu vas travailler que pendant la descente. N'oublie pas, les 2 premières semaines tu travailles en prise supination, rappelle-toi, mémotechnique, supination, supplier la paume des mains vers toi.
Et lorsque tu enchaînes une deuxième répétition, tu remontes sur la chaise et ensuite tu redescends 5 secondes, ainsi de suite, jusqu'à 8 répétitions maximum. Entre chaque série, moi je te conseille un temps de repos allant de 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes, mais si tu ressens le besoin de récupérer plus, tu peux. Et pour les deux dernières semaines avant de pouvoir réussir à passer ta première traction, eh bien tu travailles en prise pronation. Tu procèdes exactement de la même manière, 5 secondes pendant la descente, tu sens bien ton grand dorsal travailler, n'oublie pas la contraction volontaire, tu dois imaginer ton grand dorsal devenir rouge à ce moment-là pour freiner ton action. Au niveau de la respiration, c'est simple, tu inspires avant de commencer l'exercice et lorsque tu descends, tu expires progressivement. Voilà, tu as ton programme force en main. N'oublie pas d'alterner le travail d'hypertrophie musculaire avec le travail de force dans les 4 semaines qui vont suivre. Je te propose de me relaisser un nouveau commentaire dans un mois pour me dire si tu as réussi ta première traction, mais ça, j'en doute pas du tout. Si maintenant tu as d'autres objectifs, par exemple prendre de la masse musculaire, perdre du gras ou tout simplement te sentir bien dans ta peau, eh bien tu vas sur mon site alexlevent.com. Je te marque là dans toutes les conditions pour avoir accès à mon programme. Si tu m'aimes bien, suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.